Bonsoir à toutes et à tous et à celles et ceux qui sont en live et qui nous rejoignent et peut-être celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. C'est parti pour cette nouvelle soirée comédie musicale. Vous aviez voté le mois dernier pour Dracula, l'amour plus fort que la mort. Eh bien c'est parti. Comme d'habitude, le petit récap made in flonflon, c'est-à-dire on regarde juste la fiche Wikipédia. Eh bien, tout simplement, un Dracula, l'amour plus fort que la mort, est une comédie musicale de Kamel Wally. C'est Kamel Wally qui est aux manettes. Ça fait plaisir. Dont la première a eu lieu le 30 septembre 2011 au Palais des Sports de Paris. C'est donc une comédie musicale qui a 12 ans aujourd'hui, vu qu'on le regarde en 2023. J'ai découvert, en regardant la fiche Wikipédia tout à l'heure rapidement, que la comédie musicale a été coécrite par pas mal de gens qu'on connaît. Jennifer Ayash, donc du groupe Superbus, le chanteur Da Silva, Adrien Gallo qui était le chanteur de Bébé Brune, si je me trompe pas. Il y a quand même pas mal de gens, Ginny Lynn aussi. Non mais c'est quand même, il y a quand même quelques personnes, ouais, le gars de Bébé Brune, donc Adrien Gallo et tout, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont co-écrit cette comédie musicale, paroles et musique d'ailleurs, hein, que ce soit Jennifer Ayash, il y a Axel Bauer aussi, Rod Janois. On parlait de Cindy 2002 juste avant de commencer. Rod Janois aussi a participé à l'écriture de certaines chansons. En tout cas, c'est comme Cléopâtre finalement, je crois. C'est que c'est une comédie musicale de Kamel Wally. Donc évidemment, la musique, ce n'est pas lui qui dirige tout. Donc il a délégué à des gens, et j'ai l'impression, un peu beaucoup de gens. J'ai un peu peur que Dracula soit bordélique. Donc je suis très impatient de découvrir ça. Dans le casting, on retrouve notamment une certaine Anaïs Delva. Ça, c'est très cool, puisque Anaïs Delva explosera un peu plus tard grâce à sa fameuse version française de Libérer, Délivrer. Donc, je suis très impatient de voir tout ça. Alors, Axel Bauer, c'est parce qu'il faut une reprise d'Éteins la lumière. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a pas mal de spécialistes de cette comédie musicale dans le chat, donc je vais aussi me reposer sur vous, bien entendu, comme d'habitude, pour vous raconter plein d'anecdotes. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui sont là et qui acceptent de faire ça. Alors, il y a eu plusieurs singles. Notamment, moi, celui dont je me souviens plus, c'était En Transylvanie. Qu'est-ce que c'est subtil, quand même. Et d'ailleurs, ce morceau a été écrit par Adrien Gallo. Et ça, je le savais pas. Alors, il y a eu des albums de l'intégralité du spectacle. Par contre, on m'a raconté qu'il n'y a jamais eu de captation officielle. Donc, je vous préviens dès à présent pour celles et ceux qui regardent. On va regarder une captation qui est un TV RIP qui a été diffusé à l'époque sur NT1. Donc, c'est un peu caca, contrairement à d'habitude, mais on n'a pas le choix. Puisque, comme vous le voyez sur la fiche Wikipédia, Dracula a été diffusé dans les cinémas CGR du 20 au 22 juillet. La captation est passée à la télévision le 22 juillet 2012 sur NT1. Et c'est la seule captation qui existe, en fait. C'est celle qui a été diffusée sur NT1 à l'époque. Donc, on dit merci à celles et ceux qui ont rippé le truc à l'époque. Donc voilà. Moi, je connais juste Transylvanie, c'est tout. Bah, écoutez, je vous propose un truc. C'est qu'on va démarrer à deux doigts d'être un Lost Media, en vrai, Gunpy. À deux doigts de demander à Feldup de m'envoyer un lien. On était à deux doigts. Hop là, merci Tara pour le lien. On va enregistrer ça immédiatement. L'amour plus fort que la mort. Incroyable. De rien. Alors, et d'ailleurs oui, sur cette version, donc le spectacle de Kamel Wally, d'où vient son idée? C'est inspiré du Dracula de Bram Stoker, évidemment, bien sûr. J'ai jamais lu Bram Stoker, il paraît que c'est génial à lire. Je crois que Raphaël l'a lu, Bram Stoker, Dracula. Il est là, ouais, mais tu l'as lu, on est d'accord, toi. En anglais. Oh. Elle m'a regardé en disant, oui, je l'ai lu en anglais, oui. Oui, je l'ai lu en anglais, en original. En ancien anglais, bien sûr. En ancien anglais, évidemment. Et donc, c'est inspiré du Dracula de Bram Stoker et de la version cinématographique qu'en a tiré Francis Ford Coppola et qui donne sa version la plus célèbre du vampire. Dans cette comédie musicale, le destin des personnages tiraillé entre passion et raison sera définitivement affecté. Voilà. GG Raphaël qui lit en anglais. Et cette comédie musicale gagnera le Globe de Cristal de la meilleure comédie musicale. Globe de Cristal qui est une cérémonie qui n'existe plus en France. Si encore. En tout cas, dont tout le monde en a
Rien à foutre, les Globes de Cristal, pour vous dire à quel point cette comédie musicale a eu du succès. Voilà, on va pouvoir mater ça, hop là, tout de suite. Effectivement, c'est la même captation. Hop là. Qui est un peu mieux, mais on va s'en contenter. Hop, c'est pas du tout une de stress. Qu'est-ce que ça me raconte, là ? Hop là, titre. Soirée comédie musicale. Et donc, on est en 2011, hein, c'est ça ? Je me suis pas trompé. Dracula. L'amour plus fort que la mort. 2011. Let's go. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'enlève ça. Fenêtre React VLC. Et puis, bah, ce que je vous propose, mesdames et messieurs et autres belles personnes du chat, c'est qu'on démarre. Alors ça a été fait par les fans. Hein. L'habillage que vous voyez du début, les lettres et tout. Voilà, tout ça. Donc, merci à Loé. Qui a capté le spectacle et qui nous permet d'en profiter aujourd'hui. À la dernière, au lieu de juste les danseurs, tout le cast était dans le public au début, d'accord. Thierry Suc, on embrasse. Thierry Suc, délicieux à décoller avec un peu de vin blanc, une fois que vous avez cuit vos aliments produits par Bram Productions, super. Dracula, l'amour plus fort que la mort, ça régale. N'hésitez pas à clipper évidemment si vous voyez des moments marrants, etc. Et il joue avec une boule. Transylvanie, 1462. Le comte Vlad Tepes, prince de Valachie, est un souverain cruel et sanguinaire qui gouverne par la terreur. À la tête d'une puissante armée, il conduit une expédition contre l'envahisseur ottoman qui menace la chrétienté des pays d'Europe. Alors là déjà, je vous le dis, bon... On va pas revenir sur l'accent. Mais déjà, il y a trop d'histoire, là. Moi, je suis pas là pour être en cours d'histoire géo, là. Moi, je suis là pour regarder des gens qui chantent, là. Ah non, mais là, si on commence à... Moi, j'ai entendu Empire Ottoman, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Déjà, c'est pas l'Empire Ottoman auquel je pense le plus souvent, c'est bien sûr l'Empire Romain. Mais vraiment, là, ça devient trop, là. Inflexible face à l'ennemi. Il décapite, étrangle, brûle et empale. Tuant ainsi plus de 30 000 hommes. Depuis ce jour, il est appelé à travers le monde Vlad l'Empaleur. L'Empaleur, bien sûr. Est-ce que c'est vrai ce truc d'Empire romain, ça me hante ? On en parlera demain en stream si vous avez envie. Mais moi, oui. Oui, par contre, c'est joli. Le truc en ombre chinoise, c'est très malin. Par une ruse de l'ennemi, Elisabeth, sa bien-aimée, reçoit une missive annonçant à tort la mort de son prince au combat. Anéantie par le chagrin, elle décide de mettre fin à ses jours. «
c'est joli en vrai. Hein. Vlad Tepes accompagne le corps de sa princesse jusqu'à l'hôtel. Mais, par la loi de Dieu, Elisabeth est damnée. Fou de douleur, il prononce ce dernier mot. Cum a putut fi trădat astfel un slujitor al bisericii? Cum a putut Dumnezeu să mă abandoneze? Jur să te răzbun, iubirea mea! À cet instant, le comte renie l'église et déclare vouloir venger la mort de sa femme à l'aide de pouvoirs obscurs. Frappé par les tourments de l'enfer, Vlad Tepes est condamné à l'immortalité et devient vampire sous le nom de Dracula. Il va errer ainsi dans le couloir des ténèbres pour l'éternité. C'est joli, un peu long. Je me permets la critique. Oui. Quelques siècles plus tard. Mina. Ma chère Mina. Je redoute ce voyage en Transylvanie autant que vous, mais je ne peux laisser passer cette opportunité. Je suis si fière de vous, Jonathan, de votre réussite, et si heureuse de devenir bientôt votre femme. Jonathan ? Vous êtes si belle. Vous laisser seule à Londres est un péché. Prenez soin de mon amour. Mes pensées vous accompagnent. Je vous aime, Jonathan. Je vous aime, Mina. Eh mais... Oh ! Il y a des enfants qui regardent ! Je vous aime, Jonathan. Ça, c'est horrible, par contre. Ça, c'est pas terrible, ça. Ouais. Ah, ça commence. Du fond des âges, vos ténèbres me dévisagent. La mise en scène est très belle. C'est pas mal ça. Dommage de pas l'avoir en meilleure qualité en vrai. Les costumes ont l'air dingues aussi, hein. Je suivrai l'étoile. Au-delà du bien ou du mal. Ah, ça, c'est du vrai feu, ouais. Comme d'habitude, hein, vous hésitez pas à me dire si c'est trop faible, trop fort, hein. Je vous suis. Hein. Les costumes sont de Dominique Borg, qui nous a quittés cette année. Elle avait fait aussi Le Roi Soleil. Merci à Jean-Scar, merci beaucoup. Salut Charlène, salut quoi, c'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah,
Ah oui, le passage dans l'ombre pour changement de décor. La lumière est extrêmement bien gérée, c'est joli. Tout est joli. Je suis très honoré de faire votre connaissance, Sir Comte Dracula. Ah, vous croyez que c'est... Ah oui, c'est Dracula. Petite mine, Dracula. Vraiment très honoré. Dracula a pas bougé, hein. Des le siècles. Voyage n'a pas été de tout repos, mais... Je suis très heureux d'être parmi vous. Magnifique demeure que la vôtre, monsieur le comte. Majestueuse. Mais... inquiétante, tout de même. Et que de rencontres insolites. N'attendez aucune réponse du comte. Les manifestations... dont vous êtes... Dracu, il doit faire des tutos make-up sur YouTube, oui. Les moins pourraient vous paraître étranges et singulières, mais elles ne sont dues... qu'à son degré d'élévation... Particularité, les deux personnages principaux ne chantent pas sur cette comédie musicale. Putain, c'est incroyable. Rituel hors du commun. Depuis la mort de sa femme, Dracula ne parle plus. Aussi, vous ne l'entendrez jamais. Ah ouais. Jamais. Jamais. Nous serons... ses réponses. Nous... Ah ouais, donc on va jamais l'entendre. Et il s'appelle Golan, le monsieur ? Seront ces questions. Pour les histoires de poupées qui saignent des yeux. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont fait Sangolan ? Ils ont fait Sangolan ? Le Dragon Ball, quoi. Sangolan. Bon, allez, j'ajoute un euro, vous me faites chier. Allez bien ! Elle est bien, normalement, elle était bien. Je rajoute un euro dans la cagnotte. Ouais, c'est bon, ok. Comptez plutôt sur moi. Vous connaissez Victor ? Meilleur taf au monde, t'es dans une comédie musicale, bon voyage, t'as le repensé, t'as rien fait. Oui, oui, excellent, monsieur le comte. Bienvenue au château de Dracula. Nous avons pris la liberté de monter vos bagages. Par contre, l'idée est cool, en vrai, de pas le faire parler. Merci infiniment, mademoiselle. Et du coup, ses voix soient des personnages. Et depuis combien de temps t'as pas appelé mademoiselle ? Des siècles ! Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à Satine. C'est un peu la conscience de ce château. Oui, je saurai m'en souvenir. Pardonnez-moi, monsieur le comte. Il m'entend là ? Oui ! Je tiens à votre disposition les actes notariés ainsi que les plans de l'abbaye de Carfax. Votre prochaine acquisition londonienne. Waouh ! Trop gothique ce plan ! Du sang neuf ! Poisson, un peu de tenue. Oh, c'est génial. Surveillez ça. Surveillez votre langage. Ne vous laissez pas envahir par l'émotion. Une propriété à Londres, de nouvelles rencontres, tout cela est très appétissant. Oh, très appétissant. Très appétissant. Que diriez-vous d'une petite tasse de thé rouge ? Du thé rouge. Très bon choix. C'est original. Va pour le thé rouge. Sorcier, l'âme perdue de ce château, pour vous servir, Norok ! Norok ! Danny Lévy, le magicien, a mis en scène des tours de magie sur ce spectacle réalisé par des danseurs. D'accord, ok. C'est génial, ça, le truc des jambes, là. C'est impressionnant. Y'en a qui croient au paradis, d'autres qui rêvent d'une autre vie. Mais ce qui compte à tout prix, c'est dominer le monde. Tant pis si t'as pas compris que tous les coups sont permis, que certains crèvent d'envie de dominer le monde. Ils ont signé un contrat spécial, les magiciens, les danseurs, pour faire les tours de magie. Ok. Ouais, très Rocky Horror Picture Show là. Mortel,
Dominos. Bah, il a tenu la forme, Dracula, à travers les siècles, là. Il faut savoir choisir son camp pour dominer le, dominer le monde. Il a un abo basifi, ta vie. Vous étiez là. J'arrive à l'instant. Ah bon? Quelle élégance, John! Ce n'est qu'un peignoir, tout ce qu'il y a de plus modeste. Modeste? De chez Warren and Betty, tout de même. Un cadeau, peut-être? Oui. De ma fiancée. Votre fiancée? Nous sommes très heureux, vous savez. Tellement has-been! Nous allons bientôt nous marier. Oh, vous marier! C'est votre côté clair de notaire qui vous rend à ce point conventionnel? Vous êtes jeune, pourtant. Beau, charmant, séduisant, et terriblement froid. Vous avez les mains glacées. Ouais, cette famille. Dis donc, sorcier, tu serais pas en train de passer à table tout seul par hasard? Nous faisions connaissance avec Monsieur Harker. C'est ça. Viens ici. Tu crois que je te connais pas, tête de mort? Je te préviens, si tu partages pas l'anglais, je raconte tout au compte. Et là, j'aimerais pas être à ta place. J'avais oublié ma poupée. Victor, on y va. Quel tempérament. C'est votre sœur? Ma sœur de sang. Oui. Bon, eh bien, je vous laisse. Oui. Je saisis pas trop pourquoi il ne mange pas maintenant. Vous comptez rester longtemps parmi nous? Oui. Non. Juste le temps de conclure mes affaires avec le comte. Ah. Voilà. Je crois qu'une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Oh, mais je n'en doute pas. La nuit initie parfois au plaisir sensuel d'être un peu ordinaire. Une dernière chose. Ne sortez pas de votre chambre. Sophénix a utilisé son Prime Gaming avec goût. L'alerte qui a fait bip bip en plein milieu du silence. J'étais capté par le truc. Bip bip. Merci Sophénix pour ton tout premier mois d'abonnement apparemment et ton Prime. Merci beaucoup. Ne sortez pas de votre chambre. C'est bizarre ça. Vous risqueriez d'y prendre goût. Bah. Il y a des dames dans le lit. Elle est fleur à fleur de peau, j'ai peur et j'adore. Comme être en porte-à-faux, ça me touche au corps. J'ai peur, j'adore. On l'achète tout ce lit, c'est pour un ami. Il y a un monsieur en slip qui est suspendu par les pieds. J'en ai peur, j'adore. Il va devoir partager le lit. Bon. Ça va être dur, hein. Je m'inquiète quand même pour la qualité de leur sommeil aux dames si elles sont 4 dans un lit à 24. Bah oui. Pas question d'y rester. Le repos viendrait-il d'avoir aimé? Oh. Elle me désire une à une, plus faible, plus fort. Être un jeu pour chacune. Mettre au sort, j'assume.
On ressent bien le Kamel Wally corps. C'est trop marrant parce que d'avoir regardé et de regarder la Star Academy, c'est ouf comme ça nous aide. Hein. Non, non, t'inquiète, on est bien, on est. On regarde depuis 19 minutes. Salut Mikado. Non mais elle le rassure. Allez viens, tu vas m'aider à choisir l'homme de ma vie. L'homme de ta vie. Parce que j'hésite encore un petit peu. Tu ne vas pas encore hésiter pendant des mois. Tu dois faire un choix. Je sais, mais j'arrive pas à me décider. Ces hommes sont fous amoureux de toi. Oui. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit, ton cœur? De prendre les trois. Enfin, Lucie. Mais c'est vrai, comment se satisfaire d'un seul homme? C'est vrai. J'y arrive très bien. Alors ça, toi, madame, je suis bientôt mariée, c'est sûr. Enfin, Mina, ne me dis pas... C'est Anaïs Delva, c'est la dame de Libéré et Délivré. Qu'avec tous les hommes qui courent ici, il n'y en a pas un seul à ton goût. Pas un seul. C'est là où nos chemins se séparent. Mais je t'adore. Allez, en route pour ta première leçon de séduction. Lucie? Oui? Lucie. Oh. Bah, je suis troublée. Vous êtes magnifique. Je sais. Je vis dans l'impatience de devenir votre mari depuis des mois. Suspendu au désir d'entendre un « ouais » s'échapper de votre bouche. Quincy, chérie, vous me flattez. Vos talents sont multiples et vos ardeurs. Hardy. Oh, il a toutes les qualités. Oh, et en plus, il est bel homme. Mais bon, je te rappelle qu'il est magicien. Il pourrait me faire disparaître. Et là... Ah, c'est le magicien. Elle avait un contrat. Bah... Donc elle a eu un contrat qui lui imposait les cheveux rouges pendant 3 ans, mais du coup elle les a gardés depuis. Ok. Là ça part en musique cabaret un peu. Ouais, c'est là où ça va être bizarre, il y a trop de gens qui écrivent sur cette comédie musicale. Michelin, merci pour ton 10e mois. Il n'y a pas de raison d'avoir aussi chaud pour un magicien, la désolé. Michelin danse la tectonique avec la team. Les tableaux sont globalement très beaux par contre. Hein. Les costumes mois. Et tout, ils déconnent pas. Hein. Allez, c'est impossible. Quoi, ils n'ont pas de visage? Parce que j'ai pas de réponse, c'est rien. Oh oui. Oh ça c'est très super bu ça hein. Oh la vache oui. Nanana. Qui m'en pagaille. Pas sur la bouche, je préfère qu'on me saigne. Plutôt que de dire je t'aime, je ne connais pas l'idylle. Mais en un battement de cils, je commence à m'y faire. Je commence à vous plaire. 1, 2, 3. Ah oui. Ah oui. Je me souviens vaguement de ce... Ça, c'est le premier single, c'est ça? Dans les mains des experts, je vais me laisser
Lucifer, Lucie, Fer, bien sûr. Amusant, mais bon, okay. Comme à son habitude, à peine arrivé, déjà reparti. Quelle agilité, quelle force et quel courage. Quelle distance surtout. Cet homme est insaisissable, toujours la tête dans les nuages. Moi, je veux que le mien ait les pieds sur terre. Tu comprends? Oh, il faut qu'il m'enlace, qu'il m'embrasse, qu'il me grippe, qu'il me sente, qu'il me morde. Oui, il t'appelle là. Arthur, chéri, je l'avais complètement oublié celui-là. Retrouvons-nous tout à l'heure pour une tasse de thé. Arthur. Arthur. Eh ben, c'est reparti. Rien n'y fait. Suivant. Un, deux, trois, oui, c'est à toi, mais... Oh, laissez Lucifer. C'est... Anaïs s'amusait à changer le lieu et boisson du date dans chaque ville pour adapter. Ok, d'accord. Il est chaud au trapèze de monsieur par contre, hein. Oui, carrément. Oh, laissez Lucifer, laissez Lucifer. Oh, laissez Lucifer. Oh, laissez Lucifer. Oh, voilà le docteur Seward. Il m'amuse beaucoup. C'est vrai qu'il a une manière tout à fait originale de s'exprimer, surtout quand il s'adresse à toi. Et uniquement à moi. Ça fait des... Oh, j'adore ça. Très chère demoiselle, pardonnez mon retard. Nous avions dit 32. Oh, je vois qu'il est moins le quart. Mais enfin, docteur, cela n'a aucune importance. Vous êtes là, c'est le principal. Mina, tu reconnais le docteur Seward? Bien sûr, comment oublier un tel homme? Mademoiselle Murray. Alors, quoi de neuf, docteur? Lucie, vous êtes de toutes les femmes de loin la plus radieuse. Votre beauté m'enivre d'une liqueur audacieuse. Un mot de vous, Lucie, et je tombe à vos pieds. Nos cœurs doivent à ce jour à jamais se lier. Je me perds dans vos yeux pour survivre à vos mots. Je veux être votre homme. Je vous ai dans la peau. Et pour cela, Lucie, acceptez ce présent. Il est pour votre doigt... comme la veine est au sang. Docteur, je croyais qu'il allait enlever le chapeau. Et qu'il allait faire... Et voilà. Hop là. J'ai menti depuis le début. Je vous déteste, évidemment. Vraiment, quand tu remates le moment, j'ai vraiment eu peur, acceptez en vrai. Ce présent, il est pour votre doigt... comme la veine est au sang. J'ai vraiment... Oh, mais cette bague est incroyablement... C'est vraiment post-film de Coppola faire passer Lucie pour une chaude parce qu'elle n'est pas du tout comme docteur, ça dans le livre. Elle est la jeune femme victorienne typique. C'est vous que j'ai choisi. C'est juste qu'elle existe entre trois parties. Ah oui, dans le schéma classique de l'époque. Promettez-moi de toujours me parler dans votre poésie. Comptez sur mon amour. Et c'est sur très ma verbeux, fantaisie. Ouais. J'éblouirai vos jours. Vous câlinerez mes nuits. Wow. La musique est efficace. Je comprends qu'il l'ait choisi en single. Mais en plus, c'est vraiment... Je crois que 2011, on est clairement dans la hype Superbus, un truc comme ça. Fin de hype, mais c'est intelligent. Château de Bran, Transylvanie. Douce et tendre Mina. Ces derniers mois passés loin de vous ressemblent à un marécage gris et boueux. D'ailleurs, en prenant ma plume, j'ignore si ce que je vous écris est réel ou s'il s'agit du fruit de mon imagination. Tes esprits maléfiques, tes créatures funestes hantent mon esprit.
et le vertige s'empare de moi. Salut Bûche. Le voyage jusqu'au château fut interminable. D'inquiétants compagnons de route m'offrirent croix, chapelet et crucifix pour combattre le démon. Il fallait que je me protège, disait-il. Mais de qui ? Malgré mon obstination à leur expliquer l'objet de ma visite, ils avaient terriblement peur. Mais de quoi ? Je compris. Lorsque je rencontrai mon hôte, le comte Dracula, j'ai été troublée par le tympan. Là, t'es à la maison, je peux te le dire à chaque mince fois. Mince et élégant. Merci Pierre, merci beaucoup, merci infiniment pour le raid, j'espère que ça va Pierre, j'espère que tu vas bien et que les gens qui étaient avec toi sur ton live vont bien aussi. Hélas, peut-être mon dernier live, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait encore ? Merci Speed69 pour le follow. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne Flonflon que vous connaissez peut-être. Je parle de musique à travers plein de lives, j'ai notamment reçu Pierre d'ailleurs pour parler musique qui marquait sa vie il y a quelques temps maintenant, mais toujours un plaisir. Et tous les mois, on fait une soirée comédie musicale sur cette chaîne où on découvre une comédie musicale parce que moi, j'en avais vu aucune. Et aujourd'hui, c'est une soirée où on découvre Dracula, l'amour plus fort que la mort, une comédie musicale de Kamel Wally de 2011 dans une très belle captation NT1 parce que ça n'existe pas autrement. Donc, installez-vous. Chose étrange. C'est vrai que l'amour, c'est plus fort que la mort, bien sûr. Il s'exprimait par le langage du corps. Et à travers la voix de personnages excentriques et énigmatiques qui l'accompagnaient. Un soir, je l'ai vu marcher sur les murs. Ah oui. Et comble de l'horreur, je l'ai vu se délecter du sang d'un enfant sans pouvoir réagir. Oh non ! C'est bien que vous arriviez maintenant, parce que c'est le moment. Merci Flamme Doudoune pour ton prime. Merci Flamme beaucoup Pierre, bonne soirée à toi. Flamme01 a utilisé son prime la gaming bise, bise, avec goût. C'est bien que vous arriviez maintenant, parce que la dame, elle est en train de faire un résumé de l'histoire. Que m'arrive-t-il, Mina ? Je ne me reconnais plus. Comment expliquer une telle fascination pour ce monstre ? Je me sens inexorablement attiré par je ne sais quelle force obscure. Pris au piège, je m'enfonce dans le vice. Impossible de m'enfuir. Les forces m'abandonnent. Nous reverrons-nous un jour, Mina. Vous me manquez tant. Je vous aime. Oh non. Je m'attends. Alors vous trouvez que ça en fait des caisses ? Je trouve pas, moi. Ah non, non, on vient de commencer, Mélodo. On a juste dégusté une demi-heure, là. Petit fun fact, la photo que Dracula regarde, il s'amusait à mettre des photos drôles d'animaux pour se déconcentrer. Il est habillé comme le sang rapport aux vampires. Qui peut te battre. Oh, qui a pris 6 mois d'abonnement. Qui a profité du September. Merci beaucoup. En gros, les humains sont en rouge pour représenter les vivants. D'accord, ok.
Mina qui n'est pas vue comme les autres par Dracula, d'où le fait qu'elle soit en blanc, d'accord, ok. Oui, elle est en blanc comme les gens qui sont chez lui, quoi. Ils ont fait voler quelqu'un ! Bah ! Oh merde ! Ah, vidéo ! Il a un côté, Hugo Becker. On dirait le manoir de Disneyland de la musique. Allez, vous dites que par contre vous avez été globalement perdu. Pour les gens qui connaissent la comédie musicale, que vous avez été perdu en regardant. Je suis un peu du père là, je vais pas vous mentir. Je suis un peu du père. C'est un danseur unijambiste, c'est Brahem. Mais tiens, attends, excuse-moi. Excuse-moi Flo, mais tu connais tout le monde, c'est incroyable. Pardon, hein, mais tu connais vraiment tout le monde. Le danseur Brahem a fait incroyable talent. D'accord, ok, donc c'est un danseur. Mais je vous adore. Je vous dis, le chat, je vous adore. Vous nous apportez trop de détails à chaque fois qui sont trop intéressants. Donc l'histoire, c'est qu'ils sont ultra validistes et qu'ils vont buter tout le monde, c'est ça l'histoire. On n'accepte pas les gens différents. La narration est vraiment floue. On a compris que Dracula est venu à Londres, c'est ça, hein, il a quitté... Le petit tableau qu'on nous a montré, c'était pour nous montrer qu'il quittait la Transylvanie pour aller à Londres. Et donc du coup, il rencontre Mina. Merci Titas... attends. Non, Tifas Drive Phoenix, c'est ça. Oui, c'est Mina en rouge, là. Hein. D'accord, ok.
Jonathan est allé voir Dracula pour lui vendre un bien immobilier. Il s'est fait emporter dans la folie. Et quand il était là-bas, Dracula a vu la photo de Mina, qui est genre le sosie de sa femme, ça je l'avais. Et donc il est allé à Londres pour faire ça. Pour danser, pour faire de la danse classique. J'aime bien sa crête dorsale. Merci Monesh The Noob pour ton follow. Moi j'étais en train de prendre un billet pour Popcorn. Let's go. Elle était pas en blanc, mais je pense que il joue là-dessus. Tout à l'heure elle était en blanc pour nous montrer qu'elle était différente, et maintenant on nous la remet en rouge parce qu'elle rencontre Dracula qui lui est en blanc. Non, c'est assez malin, ça va. C'est juste qu'en termes de narration, il faut vraiment être plus clair, quoi. En fait, c'est pas que un ballet, parce qu'en fait, pour celles et ceux qui nous rejoignent, le Dracula ne parle pas du spectacle, donc ne chante pas. Par contre, en fait, il est connu, c'est un danseur, en fait. Et visiblement, il a été choisi pour ça, je suppose, quoi. Danseur classique. À quoi donc songez-vous ? Vos absences m'inquiètent. Votre esprit, je le vois, est loin d'être à la fête. Je vous avoue être très préoccupée par le départ de Mina en Transylvanie. Que diable est-elle allée faire en Transylvanie ? Ah. Rejoindre Jonathan, qui s'est enfui du château. J'adore ce petit raquier. Ça me donne un certain charme. Quincy, ne plaisantez pas. Jonathan a été recueilli dans un couvent et souffre d'une forte fièvre cérébrale. Il est considérablement affaibli. La fièvre laisse des séquelles souvent irréversibles. John a beau être fort, il n'est pas invincible. Le pauvre serait en proie à de violentes hallucinations. Un peu comme moi quand je vous regarde. Quincy ! Il aurait fait la rencontre d'un homme étrange, un certain Dracula. Dracula ! Dracula, ça me dit quelque chose. Ce nom résonne en moi, j'en ignore la cause. Mina le décrit comme un personnage sombre et démoniaque à qui la vue du sang provoquerait de violentes fureurs. Lucie, vous inventez. Mais non. Dracula, un homme sombre qui à la vue du sang déclenche une fureur. Dracula, oui. Je crois que je l'ai. On va enquêter. Oh, pas du tout. Il vole, marche sur les murs, apparaît, disparaît. Oui, j'y suis. Dracula n'est autre qu'un démon, du mot latin draco, qui signifie dragon. Oh, s'il arrivait malheur à Jonathan, la pauvre Mina ne s'en remettrait pas. Dracula, y a cul. Elle l'aime tant. Dracula n'était autre que Dracula. Mais non. Ah. Une bougie pour chacune des peines, une prière pour tuer les démons qui les traînent, une larme pour noyer les siennes, une caresse solennelle pour célébrer la paix. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, ça bug, c'est pas moi. C'est pas moi, promis. Hein. Attendez. Le DVD qui saute ! Attendez, je vais aller voir vite fait sur YouTube si on a ça. Il y a le DVD qui saute ! Mesdames et messieurs, écoutez bien, c'est du talent à l'état pur. Ah non, ça saute pas sur le... Attendez. Dracula, il a béni le DVD. Tout ce qui le blesse, quand la force nous manque sous nos pieds, le sol tremble. Protégeons le du mal. Ah, ça arrête, Tara ? Ah, merde. Moi, j'ai eu de la chance. Hein. J'étais.
Au moment où ça s'est mis à jour, j'étais 30ème sur la liste d'attente. Donc j'ai pu prendre une place. Ah mais j'aurais pu prendre une place pour toi. Ils ont galéré avec la prothèse de vampire pour chanter, bah oui. Certains ont dû apprendre à replacer leur langue, bah oui, à cause des dentiers. Bon, la chanson est nulle à chier, hein. Oui, j'aime pas du tout. Avec cette tête. Oh, ça va, il est mort, hein. Oh, il a mis molette. Oh, eh bien, meurs, vous. Eh, dis donc, tu serais pas un peu amoureux, toi. Terminas! Même cette tour a dévoré. C'est le départ de Harker qui te met dans cet état-là? Non, c'est celui de Dracula. Son séjour à Londres ne me dit rien qui vaille. Dramatise pas. Je serais bien partie avec lui, moi. Ah, Londres. La relève de la garde. Shakespeare. Jack l'éventreur. Et l'objet du désir. Mina, moi, ben quoi, j'ai vu sa photo dans la chambre de Harker. Sa ressemblance avec Elisabeth est frappante. Notre maître est à la recherche de sa défunte épouse depuis si longtemps. Dracula est sous le charme. Je vois pas ce qu'ils lui trouvent tous à cette Mina. C'est vrai quoi? Moi je suis tellement plus... mince. Le même humour depuis des siècles. Tu sais quoi? Avec toi je paierais pour être mortel. Cette femme le rend vulnérable. Dracula est prêt à tout pour que Mina lui appartienne. Oh, c'est pas bon pour nous ça. C'est pas bon. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète. La mise en scène est marrante. On a peur. Depuis que Mina a retrouvé son fiancé, Dracula est dans une fureur noire. Il n'a qu'une idée en tête: vampiriser Lucie. La jalousie. Quel noble sentiment. Par amour, Dracula pourrait se perdre et nous entraîner dans sa chute. L'amour plus fort que la mort. Bah quoi? Ah, c'est une ref au titre du spectacle. C'est le titre du spectacle, je l'ai. Salut vous Suisse. Vous regardez Dracula? Bah je sais. Pourquoi il me le rappelle? Ah, il y a une pub. Oh, attendez. J'ai vu une dame, elle avait les seins nus au fond, je crois. Attendez. Oh, il y a une dinguerie en arrière-plan. Attendez. Je suis désolé de vous le dire, il va falloir malheureusement, mais alors vraiment, c'est dans un... C'est à contre-cœur. Qu'il va falloir que je me sacrifie encore une fois. Il va falloir que je regarde le plan, je vous en fais... une audio description. Mais je me dévoue, ouais, mais je vous en prie, c'est mon métier. C'est très dur le métier du streamer. Donc tant qu'il y aura des paires de loches à l'écran, je serai obligé le terme paires de loches.
Donc on va, je vais regarder. Donc là, il y a des gens. Il y a un monsieur avec une tête de loup qui monte sur le lit d'Anaïs Delva. Alors il y a Dracula, il est à côté du lit, il y a des gens qui sont en train de tourner comme ça. Je porte la croix d'un désir éternel, je m'en remets au ciel. Ah non, c'est que c'est des... En fait, c'est que la dame, elle est dans un décor où en fait, il est, en fait elle a un lit avec des mannequins qui sont poitrine nue. Mais le problème, c'est que ça passe pas. Je sais bien. Voilà, ça tourne comme ça. Je préfère attaché au principe. Je suis l'amour et son contraire. Mais que dirait mon père s'il me voyait ainsi entre l'amour et son contraire? Alors Dracula, il monte dans le lit d'Anaïs Delva. Elle essaye de lui échapper. Lui, il rampe sur le lit. Il fait un truc très bizarre par contre là. Attendez. Anaïs Delva, elle chante bien. Voilà, là il fait un truc bizarre comme ça là. Séduction claire. Il la tire dans le lit, mais elle continue à chanter. Elle est lascive avec lui. Elle est lascive, très lascive. Vous pouvez le voir. Bon, ils s'allongent tous les deux. Elle bouge dans le lit et en même temps elle chante comme vous entendez. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah oui, non, mais là, ouais, non, il n'y a pas que des mannequins avec les seins nus, ok, bon, voilà. Salut Anna. Alors du coup, ça se balance, là, il y a deux personnes qui se balancent au-dessus, je sais pas ce qu'ils font. Bon, ils se roulent dessus, hein, dans le lit, comme ça, voilà à peu près ce que je suis en train de voir, moi, depuis tout à l'heure. Hein. Par contre, elle a une voix de dingue, Anaïs Delva. Hein. Laisse tomber, hein. Alors là, lui il parle pas, mais elle continue. Elle chante en bougeant dans le lit et tout. Hein. Et du coup, elle lui fait un câlin et lui, il a l'air d'être distant et en même temps, il se dit, elle est pas mal la gonze, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Entre l'amour et son contraire. Et comment elle a fait pour le rencontrer, Dracu? Mais oh! Attendez, regardez la dinguerie! C'était la chanson préférée d'Anaïs dans le spectacle car elle est très à l'aise vocalement dessus. Bah, ça s'entend. Hein. Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Oui. Regardez ce qu'il fait! Regardez ce qu'il fait, ce fou! Non mais, trigger warning, chaussures sur le lit! Mais il est fou, lui, ou quoi? C'est pas lui qui nettoie les draps! Non mais oh! Non mais on est où, là? On est où? Non mais attends, à un moment donné là, il est fou. Non, même ça, je devrais pas le montrer sur Twitch. Non mais c'est un truc de fou ça. Il marche pas sur la literie. C'est un monstre, un vrai monstre, Dracula. Oh non. Oh non. Elle se fait mordre. L'erreur du joueur français. Il l'a croqué et elle tombe dans le lit du coup. Quel amour je préfère. Putain, continue à chanter même après cette femme mordre. Putain, elle est forte. Délivré du principe, je suis l'amour et son contraire. Et oh non. Je dirai à mon père qu'il en soit ainsi. Je suis l'amour et son contraire. Pas mal, hein. Elle chante bien, hein, la dame. Hein. Et c'est dommage, je peux pas vous montrer, il y a des gens qui tournent, qui font de la toupie. Mais l'une des deux personnes qui fait la toupie a des seins. Dit comme ça. C'est bon, on a passé le moment gougoute. Non, mais c'est pas possible! Mais enlevez ces mannequins de la scène, pitié, s'il vous plaît!
Oh non, mais on va pas pouvoir regarder s'ils laissent les mannequins sur la... Ah bah ouais, si... Alors, j'espère qu'ils enlèvent les mannequins à un moment donné. Alors là, il y a un monsieur en blanc assis sur le lit. En réalité, je ne constate aucune amélioration. Ah, c'est le docteur. Mais il est en blanc. Je vous assure, Lucie. Ah. Votre anémie m'inquiète. Je ne comprends pas. Avec tout ce que je vous ai administré, vous devriez déjà être sur pied. Alors du coup, Anaïs Delva, elle va pas fort. Petit coup dur, et du coup le médecin qu'on a vu tout à l'heure est en train de lui dire « T'inquiète, je comprends pas, mais tout va bien se passer, antibiotiques. » Faites un dernier effort, allez. Ouvrez la bouche. Voilà, antibio. Docteur, vous ne faites plus de rime. Lucie, croyez-vous que le moment sera bien choisi ? Vous m'aviez pourtant promis. Oh, Lucie. Je bois si vous rimez ! Je bois si vous rimez ? Oh, dis donc, calme-toi. Ma chère, vous êtes si pâle. Prenez cet élixir en le faisant pour moi. Vous me feriez plaisir. Ah, c'est joli, ça. On sait rien. Cette potion est écœurante ! Jamais je n'aurais dû vous écouter ! Oh, cette lumière, hein, qui me fait mal à la tête ! Je me sens si faible. Oh non ! Calme-toi, c'est moi, Mina. Nous avons fait le plus vite possible. Merci, docteur, pour votre message. On va vous montrer, là. Donc là, il y a tout le monde qui arrive, dont Jonathan. Il y a Jonathan, Mina... Jonathan ? Il est de retour. Donc, ils arrivent au chevet de comment s'appelle le personnage de Anaïs Delva, déjà ? Enfin, en gros, Anaïs, elle est toujours pas bien, quoi. Ah oui, Lucie, bah oui. Un petit cadeau de Transylvanie. Merci. Un petit cadeau de Transylvanie. Je suis rassurée de vous. Alors là, il est en train de lui tendre une petite boule à neige avec écrit Transylvanie. C'est faux, là. Là, j'invente. Là, c'est faux. Non. Quand il dit un petit cadeau de Transylvanie, c'était un petit coussin pour la soutenir. Mais c'est pas du tout... Savoir près de moi. Ta lettre m'a bouleversée. Je veux que tu me racontes tout, hein, dans les moindres détails. Oh, cet homme étrange qui vole. Il y a des choses qu'on peut pas voir, des boobs. Marche sur les murs. Apparaît, disparaît. Aïe. Lucie, elle s'est endormie d'un coup. Ça recommence. Vous avez une idée de ce qui lui arrive ? Malheureusement, non ! Tant d'années de travail pour en arriver là, c'est consternant ! Enfin, docteur, reprenez-vous. J'ai tout essayé pour la sortir de là ! Cataplasme, ventouse, remèdes en tout genre, rien n'y fait ! Là, ça discute. Voilà, le médecin essaye de rassurer... Il dit que j'ai tout essayé, quoi. Le mal qui torture Lucie m'échappe. J'ai néanmoins constaté une blessure sur son cou. Ah. Juste ici. Une blessure ? Oui, là. Une blessure ? Ça ressemble à une piqûre d'insecte. Une blessure, mais de quel type ? Elle a deux gros points dans le cou. Ah. Elle a deux gros points dans le cou. Comme si c'était une morsure. C'est pas un insecte. La morsure est trop grosse. Pourquoi il y a des boobs autour d'une meuf malade ? En fait, elle a des... Le personnage de Lucie dans sa chambre a des mannequins seins nus autour de son lit. Et le problème, c'est que Twitch ne fait pas la différence entre est-ce que c'est un mannequin ou est-ce que c'est une vraie personne. Même Twitch ne veut pas de boobs, donc du coup, je peux pas montrer. Un insecte ? Non. Sans vouloir vous alarmer, je crains le pire. Son anémie perdure et je ne constate aucune amélioration. Seul un homme pourrait nous aider. Abraham Van Helsing. Van Helsing, vous dites ? Un camarade de faculté. Un Hugh Jackman. Il est maintenant considéré comme l'un des plus grands scientifiques de notre temps. Bien, dites-moi, où peut-on trouver cet homme ? À l'asile psychiatrique de West Park. Un asile ? Oui. Un asile. Oh, je sens que ça va être bien traité, ça. Je sens que ça va être très bien traité, ça. Ah, c'est bon, ils sont en train d'enlever les boobs de la scène, je crois. C'est bon, on peut passer là-dessus. C'est bon, merci. Merci bien. Oh, ça va être très bien traité, ça. On précise que dans le roman, comme dans le film, personne ne croit vraiment aux vampires sauf Van Helsing, ce qui explique que personne ne pense aux vampires. Ah bah oui, l'asile à l'époque victorienne, ça devait être quelque chose, bien sûr. De vous revoir, Seward. Moi aussi, professeur. J'ai cru comprendre que votre femme était au plus mal.
Anémie par déperdition, c'est cela? En effet, elle semble avoir perdu beaucoup de sang, mais je n'ai trouvé aucune trace, ni dans le lit, ni ailleurs. Vous êtes mon dernier espoir, professeur. Présente-t-elle des troubles psychiques? Depuis l'apparition des premiers symptômes, elle souffre de somnambulisme, tient parfois des propos incohérents, mais surtout elle est devenue anormalement agressive. Pas de crampes douloureuses? Pas de douleur thoracique? Non. Le personnage a été écrit pour mieux coller à l'interprète qui vient de la scène Metal et Rock. Le personnage devait être plus un Kevin Costner à la base, d'accord? Sûr, certain. C'est le Covid. Mademoiselle Murray, monsieur, des amis très proches. Enchantée, dites-moi, est-elle sensible à la lumière du jour? Ah oui, tout à fait. Et depuis quand ces marques? Je ne sais pas très bien, mais je les avais remarquées. Ce n'est pas le plus important, il faut agir, et vite. Elle manque de sang. Je ferai n'importe quoi pour Lucie. Très bien. Préparez le docteur pour la transfusion. Bah, et vous, le groupe sanguin? Pardon. Ça nous raconte de folie sombre. Lunatique, si Madsen, elle est celle qui l'a fait. Pardon. Excusez-moi. Pardon. La cite meurtrière me glace le sang quand je les regarde s'approcher. Je sais pas. En moi, je la force, mais ça date de quand la découverte du groupe sanguin? J'ai cru que c'était dans la performance. Immortel. 1901 selon Wikipédia, ok d'accord. J'ai pas compris pourquoi il dit que les vampires tournent, mais j'aime bien la chanson. Ah, je suis pas très fan des chansons qu'on a eues tout à l'heure. C'est très disparate, même dans les styles. Contre les mots, contre les fils, j'ai dédié ma vie. Moi, le témoin de la sévice. Les voix vont pas avec l'énergie de la chanson, ouais. J'ai l'impression qu'on est plus pour la danse et les décors. Bah, Kamel Wally, exactement comme Cléopâtre en fait. Hein. C'est très très Kamel Wally, ouais. Le moins bon de tous les spectacles musicaux de Kamel Wally, ok d'accord. Ces morsures sont celles d'un vampire. Voilà pourquoi vous n'avez retrouvé aucune trace de sang. Tout le monde sait que les vampires n'existent pas. Ils existent, Seward. J'ai passé ma vie à les poursuivre. Professeur, je dois vous avouer avoir approché de près ces démons. Ah oui. Lors d'un voyage en Transylvanie, je me suis rendu au château du comte Dracula. Alors, vous avez été en contact avec lui? Oui. Mais pourquoi s'en prendre à Lucie? Je l'ignore. Mais si elle meurt, elle deviendra vampire à son tour. Il faut absolument la protéger. Mademoiselle Murray, vous restez auprès d'elle. Messieurs, j'ai besoin de vous.
est sorti d'où ? Dracula is back ? Il fait quoi avec Mina ? Je comprends pas trop. Il la drague ? Ah bon ? Il la rassure ? Tout est beau, mais alors les chansons ont zéro impact. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment dommage. Et du coup, je trouve que ça parle beaucoup. On a eu des comédies musicales où littéralement il y avait zéro prise de parole. Là, c'est très, 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 très blablotte. Un peu dommage. Ah, c'est vraiment très Disneyland Core, mais ouais, la musique, ouais. Je préfère ça à Cléopâtre. Ah ouais ? En vrai, c'est qu'on est, touché par un univers plus qu'un autre, ouais. Il dit ce métaphore de le sexe ? Ah, je sais pas du tout. Cardiologue, monsieur. Gros tube, ça. Ah oui. Sur l'échelle de Get Lucky, c'est un tube comment? Très cute, ouais. Que ils ont composé pour celle-là ? On a vu Adrien Gallo et Superbus. Elle me fait mal. À l'intérieur, je meurs et je deviens pas. Je veux tout oublier. J'ai pas reconnu leur nom tout à l'heure. Mood, le gars fait un infarctus au strip club. Prochaine chanson, donc dans 2 minutes, il y aura de nouveau des seins. Ok, merci. Merci de me prévenir sur les seins. C'est pas terrible, hein. On va même avancer un peu, hein. Ah, attendez, je regarde vite fait s'il y a des seins.
Il y a Dracu, il a un haut un peu transparent. Alors, Lucie est morte au milieu de la scène. Là, il y a une dame avec les cheveux de... Comment elle s'appelait ? Rina Sawayama ? Sur son album, sur la pochette de son album. La ref est obscure, mais... C'est Jenny Lynn. Lui a tout sacrifié, même son c'est Satine. Presse F, bien sûr. J'ai envie de voir les seins, c'est la seule chose qui me ferait intéresser au spectacle. Ah, le problème, c'est que Twitch ne veut pas voir les boobs. Croyez-moi que moi, je... J'aimerais hein, qu'on voit les seins tous ensemble, mais malheureusement... Qui peut le juger, qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie, qui peut tout donner, tout abandonner, un destin de mon... C'est une chanson écrite par Jenny Lynn elle-même, elle n'a pas osé dire en studio que c'était elle qui l'avait composé ce titre. Elle me l'a dit plus tard, incroyable. Qui peut le juger, qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie, il vit dans un monde. Vous avez l'air de connaître la chanson, c'est fou. Mais pourquoi la dame elle est toute nue? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ah oui, je peux vraiment pas vous montrer là. En gros, là, il a enlevé le peignoir. Et il y a une dame, elle est en culotte, elle est nue, là, il vient de la retourner face au public. Bon, bah, elle est toute nue, quoi. Enfin, elle est seins nus, quoi. Ah ouais, non, mais là, bah oui, non, mais là, il la penche en arrière. Festival de la tchouche, là, c'est plus possible, là. Elle apparaît pas longtemps, bah là, on la voit bien, oui. Bon, bah là, il est en train de la prendre par la taille, par derrière, il la fait tourner. Elle est comme ça, et puis, bah. C'est festival, quoi. Hein. Je comprends pas ce qu'il fait avec la dame. Merci Laladila pour ton cinquième mois. J'arrive un peu tard, mais a priori au bon moment. Bah là, oui, Laladila danse la tectonique avec la team Flonflon. J'arrive un peu tard, mais a priori au bon moment, Flonefellec. Alors là, la dame, il l'a donné à un groupe de gens derrière. En vrai, avec la lumière, on voit pas. Mais en gros, voilà ce que je vois moi. On voit rien du tout. Hein, comparément, on voit pas les seins. Grâce à la lumière très blanche. Mais voilà, la dame, en fait, elle a les seins nus. Il l'a donné à des gens qui la transportent avec les bras. Ah, à se crever debout. Là, elle tourne. Ils la font tourner en toupie. Là, les seins sont en gros plan, là. C'est très dur à regarder, hein, sachez-le. Hein. Il y a tout le monde qui touche ses seins là, je sais pas ce qui se passe. Là il a... Je peux vous montrer ça. Alors là il... Là ils l'ont balancé dans le groupe. Et alors là je vais vous montrer ce qui se passe, c'est incroyable, ça va être très rapide. Et hop là, la dame elle est partie en l'air là. Je sais pas ce qu'ils font avec la dame, elle est toujours toute nue, ça c'est sûr. Dracula, il a l'air embêté. Il a l'air embêté, il tourne autour de Anaïs Delva en mode « Ah, damn !» Ah, si j'avais joué à l'Euromillion, on aurait partagé les gains. Alors du coup, je comprends pas ce qui se passe. Là, tout le monde danse autour de la dame toute nue. Il l'entoure un peu. Elle chante toujours. Voilà, il prend Anaïs Delva dans ses bras. Oh là, attendez. Ah. Bah la dame toute nue, elle a disparu. Ah, c'est un buffet, ils sont en train de la bouffer. On joue pas avec la nourriture. Mais elle s'envole. Oh non, Dani Larry. Mais elle s'envole. Mais lui aussi. Mais il pouvait la manger par terre. Pourquoi il faut manger là-haut? Bye bye.
tuer par amour. On peut tuer par amour ? Non, bah non. C'est plus du théâtre musical qu'une comédie musicale. C'est bien décrit, ça, je trouve. Ah, l'acte 2, c'est parti. Je vous propose, j'aimerais ne pas terminer trop tard ce soir. On va exceptionnellement pas faire de pause ce soir. On va enchaîner. On va peut-être même avancer dans certaines chansons si je trouve ça un peu long. Je suis désolé, mais... Il y a combien d'actes ? Il y en a 5. Non, il y en a que 2. Non, il y en a que 2. Comme toutes les comédies musicales. Oui ! Donc c'est Brahim, c'est ça ? Le nom du danseur. J'ai déjà... Adam et Eve a 3 actes par contre, d'accord, okay. C'est intéressant, merci. Je sais pas, il danse. Non mais c'est énervant. Les abdos qu'il a le frérot. L'humain se fait chasser et tuer, en gros c'est ça la scène, d'accord. C'est un londonien qui se bat contre un vampire algaro. Personnage qu'on a vu tout à l'heure, du coup. C'est dur à comprendre, hein, les scènes. Hein. Ils se font plaisir au niveau de la danse, mais... Merci NTR, en tout cas. On embrasse. Mais il lui fait une prise de judo. Il prend une sauna gay. Narration à la Kamel Wally, ouais. Et le livret de comédie musicale n'est vraiment pas facile à comprendre en plus. Mais c'est une brute, hein, lui, hein. F pour Brahim. Un peu le plus efficace. Et Brahim, sacré danseur. Hein. Approchez-vous. Je suis ici. Je suis ici. Docteur, c'est inutile. Remontez. Vous ne trouverez aucun indice. La place d'une morte est d'être dans son cercueil. Et Lucie est devenue immortelle. C'est impossible. Impossible. Si Lucie n'est pas là, c'est qu'elle est vivante. Quelqu'un a peut-être profané la tombe. Elle a raison. Si Lucie est pas là, enfin, regardez tous ces gens qui avancent au cimetière en pleine nuit. Ils sont à la recherche de leurs enfants disparus. Oh merde. Dans un cimetière. La rumeur veut que ce soit l'œuvre d'un vampire. Lucie est la coupable. Comment pouvez-vous affirmer de pareilles horreurs ? Lucie est ma femme. Lucie n'est pas morte. Oh mon Dieu. Lucie... Une assoiffée de sang, condamnée à errer pour l'éternité dans les entrailles de l'enfer. Voilà ce qu'est devenu votre Lucie. Ne l'écoutez pas. Venez à moi, mon amour. Lucie. Je vous aime tant. Jack. Lucie. Mais d'où vient tout ce sang ? Embrassez-moi. Ah. Embrassez-moi, Jack. Caressez-moi. C'est moi, votre Lucie. Ah le Christ est parmi nous et son pouvoir est immense. N'ayez pas peur, je suis toujours votre ami. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle paraît tellement vivante. Cette créature du mal gagnera son salut lorsque de nos mains, vampire, ça lisse les cheveux. Nous la délivrerons. Ceci, coucou. De fille facile, indocile, qui part toujours en vrille, mauvaise fille de bonne famille. Il est vraiment I. Attention, tchouch! C'est pas pour moi. Mais c'est incroyable ça! Mais à quel moment? Pourquoi? Pour qui? Pour qui? Le feu là? Pas maintenant? T'as eu un rôle dans Dracula, je joue une croix! Ah oui! Sans reposer en paix. Il a brûlé. Ils ont brûlé Anaïs Delva. Dans le livre, ils vont la décapiter dans sa tombe. Oh putain, la vache. Désolé, mais Lucie. Bye, mais c'est Lucie le perso principal jusqu'à maintenant. Bah maintenant, elle est plus là. Quand une partie de notre âme. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Les pieds cloués au sol de nos larmes salées, on caresse le passé. C'est l'ange, Florent Torres. C'est le bordel, hein. À croire que la bonté, c'est l'ange. Pas un trésor. Attendez, y a pas de saint là, ça va. Non, en fait, c'est pas que c'est... Sincèrement, c'est pas difficile à comprendre. C'est juste que l'histoire, globalement, n'avance pas. J'aime bien comment tout le monde dit « c'est l'ange » comme si c'était très logique. Oui, c'est assez chiant, ouais. Non, c'est pas chiant, mais fraîche. Ne disons pas ça comme ça, c'est faux, c'est super. C'est très beau mais ennuyeux. Sincèrement, je comprends. J'avance un peu, je suis désolé, j'avance parce que c'est un peu chiant et je vois qu'il est déjà 20h49. J'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de terminer très tard aujourd'hui. Mais je comprends que la comédie musicale n'ait pas fonctionné en vrai. Par contre, l'idée que ça se déplace dans le public, j'aime bien, genre ce cas, il y a des bonnes. Au niveau de la mise en scène, il y a des putains de bonnes idées, hein. Le destin s'en prend à l'innocence. Sommes-nous condamnés?
que peut-on espérer? Est-ce que le souci c'est pas qu'un tableau de Kamel Wally c'est drôle quand ça dure 3 minutes et ça devient compliqué quand ça dure 2 heures? Il y a un peu de ça, hein. Tu mets ça au théâtre de l'Odéon, sans chanson ça cartonne. Allez, je me suis pris le voile d'une danseuse dans la tête quand elles ont couru vers la scène. Assez. Non mais il chante bien le monsieur, mais c'est vrai que le fait qu'il arrive sans réelle introduction, c'est toujours compliqué. C'est le problème d'être chorégraphe et de faire une comédie musicale avec plein d'autres artistes. C'est-à-dire que tu... C'est-à-dire qu'au niveau de la cohérence, c'est compliqué, évidemment. Tu voudrais pas qu'on salisse, qu'on se fasse les vendanges. Ouais, ça c'était le tube, ça. Pour moi, ça j'ai entendu ça. Après, ça a connu une diff télé, c'est pas mal. Non, mais le problème, il me plaît, c'est que c'est la seule chose qu'ils ont eu le droit. Ils ont quand même été au ciné. Je me demande si ça, ça a fonctionné la comédie musicale. On est même. Ça fait 1h17. Il reste encore normalement 47 minutes. On va avancer. Hein. 47 minutes encore là. Je me dis encore 47 minutes de spectacle en vrai. J'ai le 3 pièces service qui me dément en jouer. Ça a un peu marché mais pas fou quoi. Ça a pas trop marché, j'ai vu le spectacle plusieurs fois avec des places à moins 50%, oui. Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est mis à s'accélérer, tout le monde danse là. Le palais des sports n'était jamais rempli, ouais. En plus, on arrive. 2011, on a un peu une fin de hype de comédie musicale là, ça y est là. Mozart, l'Opéra Rock, c'était 2 ans avant. Pourtant, c'est joli les costumes et tout là, c'est joli ça. Ouais, c'est du spectacle et pas d'histoire qui avance, ouais. Ok, j'avance un peu, hein, je me permets. Hein. Ils vont relancer Mozart, l'Opéra Rock, il y a des phases de casting en ce moment, c'est vrai? Ils vont faire comme les 10 commandements qui revient aussi? Ouais, pas très étonnant, là il y a une petite hype comédie musicale qui est dans l'air. Hein. T'as reçu les castings. Et mine de rien, tout à l'heure, je disais que c'était marrant les deux personnages principaux qui parlent pas. Et sur... Et au bout d'1h20, je trouve que c'est une putain de mauvaise idée. Parce que du coup, en fait, t'arrives pas à t'attacher. On les a déjà vus danser, quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est horrible. Mais c'est angoissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Me trouveras-tu si je me cache? Au secours. Me voudras-tu si je t'attache? J'en ai marre de jouer. Il y a pas de clown dans Dracula, si si. Tu sais, dans cette fameuse scène là. Tellement Kamel Wally, ça. Si tu me suis, tu es la Il y a un avion et des gens sur des échasses dans deux secondes. Je compte sur mes doigts, et puis je te mords, ce sera toi. Il y a un passage qui a été joué en 3D et ce numéro permet à la chanteuse de l'annoncer, d'accord. Place dans What We Do in the Shadows. J'aime la ref. Très super bus, ça aussi, oui. Ah oui! Pardon. Moi, je te savoure. Oh, oh, la tête. Il y a un gars, il savait pas comment faire. Petit chat et... Ah, du coup, il disait aux gens de mettre les lunettes 3D. Vous avez des lunettes 3D à la maison, j'espère. Hein. Oh là là! Là, c'est en 3D, les amis, là. Oh là là! Je sors les miennes. On peut rester sur le spectacle, s'il te plaît, Tara? Incroyable! Oh, la 3D, là! Pourquoi faire? Premier spectacle en 3D. C'est beau, ça! Ça n'a pas bougé, écoutez. Moi, c'est les plans du public avec les lunettes 3D inutiles. Ça, hey, c'est le meilleur moment du spectacle, je vous le dis, je me régale. Avatar 2 avait 2 ans, hein, je vous rappelle. Hein. Mais oui, je croyais que c'était un jiggle pub, moi aussi. Je comprends pas le... On dirait qu'ils sont sous l'eau. Genre, c'est incroyable, c'était... Ce moment est incroyable. Hein. J'aurais trop aimé le brainstorm. Le moment où quelqu'un s'est dit oh, et si on mettait une scène en 3D? Les gens ont l'air de se faire chier. C'est pas bien ce film public. Hein. Lolita Lempicka, oui! Ça! Oh, c'est. Il y a un twist! Oh, j'allais avancer! Oh là là, c'est. J'ai peur! C'est beau ça! Oh là là, qu'est. Oula! Mais ça, c'est un mauvais rêve ça, de rêver de personnes avec des têtes d'animaux! Pas évident. Ce moment arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe, ça n'a aucun sens! On dirait une pub de parfum pour Dior! Génial, hein, en tout cas, ce qu'on vient de voir. Animal, là, ça. C'est horrible. On peut enlever les lunettes. Yakuza. Oui, vous pouvez enlever les lunettes. C'était con. Mais pardon, j'ai pas prévenu. Vous pouvez enlever les lunettes.
Oh, gros, le merde. Oh là là. Ah, mais j'ai préféré Cindy aussi. FG Radio. On fera un récap, non, c'est faux. Merci, Robin. Ça, Cindy, t'es un très bon nana. Ça se prend trop au sérieux. Attendez, c'est encore en 3D, c'est encore en 3D. C'est la pub Haribo, là. Non mais là c'est n'importe quoi. Mais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a dérivé, remettez les lunettes. La souris elle arrive dans votre gueule. Regardez. Non mais quand tu filmes le public ça me termine. Kamel a mis tout ce qu'il a jamais pu mettre dans la Starac, c'est ça. C'est dans la tête de Jared Leto. C'est long en plus. En même temps, ils ont payé, hein, tu m'étonnes. Ça, je vais en rêver toute la nuit. Hein. Ah, c'est hyper long. C'est si long. Oh, mais consommer là. Si vous trouvez ça interminable, je vous propose un truc. On re-regarde du début pour analyser. Oh non, il y mange le coup! Ça a changé les films érotiques NT1 quand même. Oui, c'est trop bizarre. Je crois que c'est fini. Oh, c'était long! La vache! La vache, pardon, hein. Ah bon? Oh merde, j'ai avancé sans faire exprès. Ne me fais pas peur. Moi non plus. Dracula! Montre-toi! C'est Mina qu'il veut, n'est-ce pas? Il ne veut pas seulement son sang. Bien sûr! Sinon elle serait déjà morte! Alors que veut-il de plus? Tout! Son esprit. Son cœur. Son âme. De quel droit peut-il s'emparer de ma femme? Je traque Dracula depuis de nombreuses années. C'est la première fois qu'il agit de la sorte. Ah, le malin, l'ignoble, le scélérat! Seule explication. Et qu'il soit tombé amoureux de Mina. Oh non, je le tuerai de mes propres mains. Je suis votre homme. Il m'a pris Lucie, je n'ai plus rien à perdre. Il faut délivrer le monde à tout jamais de cette bête infâme. Avant tout, défendons Ben Barbo sur les réseaux sociaux, parce que le Hellfest, c'est quand même vachement bien. Nous devons connaître ses intentions. Non. Ah non, on doit connaître ses intentions, pardon. Je vais invoquer les forces du mal. Les forces du mal? Mais Mina, elle est là en plus! Je ne laisserai pas Mina servir d'appât. Elle ne court aucun danger. Je vais simplement l'hypnotiser. L'hypnotiser? Je ne raterai ça pour rien au monde. Docteur, poussez-vous. Pardon. Oh! Son inconscient va nous conduire jusqu'à lui. Arcturien à partout! Où êtes-vous? Je l'ignore, tout est sombre. Qu'entendez-vous? Du vent. Beaucoup de vent. De l'eau aussi. Êtes-vous à bord d'un navire? Oui, je crois. Où allez-vous? Je rentre au château. Il aurait quitté Londres. Mais oui, Dracula est ici depuis trop longtemps. Pour conserver sa puissance, il doit retrouver la terre de ses ancêtres. Bien sûr, la Transylvanie. Et si nous profitions de sa faiblesse pour l'affronter? Oui. Pas de précipitation. Dracula est vil et démoniaque. Il n'est pas un ennemi comme les autres. Il est temps de la réveiller. Mesmer. Préparons notre voyage. Allez, mon chat. Allez, va prévenir Satine et Sorcy de l'arrivée du comte au château. Allez. Il reste combien de temps? Trop longtemps. 32 minutes, hein. Oh, c'est nous,
Imaginez, il reste... Non, mais vraiment, premier degré, il reste 32 minutes, là. C'est pas une vanne. Regardez, c'est... Ah non, vous le voyez pas, vous, le lecteur. Je ne regrette vraiment pas ma première fois sur ce stream. Salut, Spin. Oh, merde. Oh, mais vraiment, il reste 32 minutes. Je deviens fou. C'est pas toi, je serais parti à la fin de l'acte de l'intérêt. T'es un amour, Mimolette Fresh, hein, je t'adore. Et c'était pas sub en attendant, hein, bien sûr. Hein. Et vous savez quoi? On va faire le truc inverse des autres streamers. Un sub égale 3 minutes de spectacle en moins. C'est pas un sub, 3 minutes de stream en plus. Un sub et 3 minutes de spectacle en moins. La pub Haribo de 15 minutes était peut-être de trop. J'ai du mal à être critique avec le spectacle, il est un peu doudou pour moi, mais vous me faites rire. Il se passe quoi? J'en sais rien. Et... Merci Tara pour l'abonnement offert. 3615 un sub égal, on remet le passage en 3D. Avec la team Flon Flon. Qu'est-ce qui se passe? Un centaure qui fait des claquettes. C'est quoi? 34, 35, 36, 37. On a gagné le droit d'aller jusqu'à 37. Non mais. On a juste avancé. Ah, merci Mekamatsu pour l'abonnement offert. Mechamatsu danse la tectonique avec la team Flon Flon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le train de la hype est déclenché. Qu'est-ce que c'est là? On est dans le royaume des enfers, je pense. J'adore avancer, c'est encore plus drôle parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune ligne directrice. On passe d'un rock acceptable à une techno étrange. Merci Bismuth pour l'abonnement offert à 3 minutes. 3 minutes danse la tectonique avec la team Flon Flon. C'est une comédie musicale ou un défilé Jean-Paul Gaultier? Non mais... IRL, ça devait être fou avec les costumes, les mises en scène et tout, mais c'est fou. Nous y sommes. Ah, ils arrivent en Transylvanie. On a passé les 3 minutes de Tara. Je peux rester avec vous. On a encore 6 minutes à passer. Quel courage. Tenez. On est bientôt à 300 subs hein, sur ce mois de septembre. Merci les gens. Par là. Tu as raté un tour de magie? Est-ce grave, Marion? Par là. On peut revenir en arrière pour mater le tour de magie, hein, si vous voulez. Hein. Je voulais aussi voir la magie. Je quitte la modération, sinon. Merci Scanaret pour les 5 abonnements offerts. Oh non, ils auraient dû une personne. Ils auraient dû une personne. Voilà. Merci pour les 5 abonnements offerts. Le tour était fort quand même. C'est long. Ah mais il n'y a pas à être perdu, ça rien passé. Ils sont arrivés en Transylvanie, là on est dans le royaume des morts. Mina est là, elle a l'air d'avoir été capturée en fait par Dracula. Lui il perd sa tête, je comprends plus rien. Il cherche la chambre des secrets là. Oh la vache.
Elle sert de l'heure. Bah du coup il est 16h45. Putain, let's go, merci beaucoup. Oui, allez, je mets 1€. Le malin plaisir, bah, que l'on prend à se faire du mal. Le malin plaisir qu'on se met à faire du mal, comme si. Et Van Helsing, il a craqué. À l'épreuve des balles. Il a craqué, Van Helsing. Comme si on te fait s'aimer à en mourir. Il y a une autre histoire à écrire. Vivre de lumière du feu initial. Retrouver l'origine. Remonter la rivière. Sauf au piège, Nicolas Swing. Joli la ref. Dans le livre, elle devient pas du tout vampire. Mina, c'est inventé par le Coppola. Bon, là, ils dansent dans le... Ah, ils ont été pris en piège, d'accord. Ah, faut qu'ils se séparent. Démon intérieur, super. Ah mais il chante bien par contre lui aussi hein. Ils ont pas eu de chance hein. Parce qu'ils chantent tous très bien. Les chorégraphies sont cool. La mise en scène et les costumes sont dingues. Mais alors par contre l'écriture elle est à chier en fait. Dans le livre y a pas de romance entre Dracula et Mina. Dans le film elle est émouvante. Là c'est pas ouf. Ah, il va à la chasse à Dracula. C'est la première fois qu'on avance comme ça dans un react tellement on s'emmerde. Je choisirai l'éternel, même si l'on m'a arraché le cœur. Le corps et l'âme, mais qu'on me brûle les. Tu peux louper ça ? Je ne sentirai pas. Merci. On passe 3 minutes réglementaires. Hein. L'ange est de retour. Ils ont dansé, super. Ah, de l'histoire. Du lore, du lore. Du lore de Maison du Café. Je m'ennuie. J'ai mis un euro. Baissez-vous. Je vous en supplie. Baissez-vous. Emprise peut avoir sur vous un être aussi abject pour vous abandonner ainsi. Le plaisir de ces étreintes sauvages est-il à ce point incontrôlable? Je suis incapable de résister. J'ai tellement honte. Comment une femme attachée aux valeurs et aux principes comme vous l'êtes a pu succomber à ce monstre? Mais il est horrible! Je ne sais pas qui il est vraiment. Et moi qui croyais que vous étiez sa victime. Lincel. J'ai toujours été libre. Et oh, tu lui causes meilleur! Libre. Libre de vous offrir à lui! Mais. Elle fait ce qu'elle veut! Qu'est-il fait de vous, Mina? Je ne vous reconnais plus. Une femme désespérée de vous affliger une telle souffrance. Tu veux dire qu'elle est minable? Dois-je vous rappeler qu'il a tué votre meilleur ami? Et qu'il vous réserve le même sort. Je n'entends pas. C'est marqué sur votre cou. Mais oui, Jonathan, il n'était pas avec de des. Il appartient déjà. Il n'a pas été entouré de 4 nanas à un moment donné? J'ai pas suivi ou. Le terme nana. Mais vous l'aimez. Si, si. Vous l'aimez. Oui, je l'aime. Oh merde! Bah oui, d'accord. Je l'aime et ça me terrifie. Alors je vais vous libérer de sa toute puissance. Non! Par pitié, ne le tuez pas! Mais c'est la seule issue. Je jure devant Dieu de ne plus jamais lui appartenir en échange de sa vie. Nous n'avons plus le choix. Il est trop tard, Mina. Lui laisser la vie sauve vous condamnerait à l'immortalité.
c'est un homme, il a des pulsions, c'est vrai. Oh non, ils vont tuer Dracu. Bien fait pour toi, Joe, tu ne la mérites pas, elle danse trop bien pour toi. Oh non, ils l'ont piégé sur sa table avec des têtes de loup. Elle est cossue, la table, hein. Par contre, un peu grande, j'ai l'impression. Comment ils vont le tuer, l'immortel? Pose pas de questions, Tara. Ça devient fatigant, là. Mais il danse en plus avant de mourir. Enfin, mourir, j'aimerais bien mourir comme ça, moi. C'est ridicule. Je suis désolé. L'antagonie, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le sacre du patron du printemps. Du patron! J'ai dit c'est le sacre du patron! C'est le sacre du printemps, pas bien! Le sacre du patron! Pour info, Golan a le vertige et a flippé des mois et des mois pour cette mise en scène. Ah oui, de monter là-dessus, là. Ah, il danse bien, le monsieur, en tant que danseur classique, ça se voit. Ah, là, il y a plein de gens qui l'entourent. Oh bah, hey, le piou! Oh non! Elle le tue! Le piou et le pieu en même temps! Bisous, je m'envole. Je comprends rien, moi non plus, il meurt! Mais elle voulait pas le tuer, mais elle a dit que finalement, oui. Faut suivre, Eo. Ah merde. Je crois qu'il est vraiment mort, là. Rien vraiment ne meurt tout à fait. Avec juste une étincelle. Je suis désolé, mais ça, c'est incroyable. Et là, il est mort. C'est ça, elle a préféré le tuer elle-même plutôt que de voir quelqu'un d'autre le faire. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Salut Amstamgram. Bienvenue à toi, t'arrives au bon moment. Bah, si, c'est les voix de Dracula, mais je pense qu'elles vont mourir, hein, du coup. Pourquoi il y a une dame en connexion filaire? Et s'apprête à renaître de ses sangs sans attendre. Ah, c'est le final! Nos rêves se lèvent et la nuit s'efface. Oh, je suis désolé, Marion. Hein. Je suis désolé pour celles et ceux qui sont attachés à cette comédie musicale, mais alors vraiment, elle est dans le bas de tableau. Hein. Ah, il me sourit, hein. Et restez bien parce qu'on va voter pour la prochaine comédie musicale qu'on regardera le mois prochain entre Arthur, entre attends, on avait dit quoi? Le roi Arthur. Merde, il y avait les trois mousquetaires. Arthur, les trois mousquetaires, il y en a une troisième. Robin des Bois. J'aime le noter. Tu veux bien, Tara, préparer le sondage, s'il te plaît? Arthur, trois mousquetaires et Robin des Bois. Merci. J'ai rien compris du début à la fin, au moins on peut pas leur enlever cette constance. J'aime beaucoup les chansons, mais je me rappelais pas que l'histoire était si éclatée, choquée, déçue. Anaïs Delval s'est refaite avec la Reine des Neiges. Hein. Mais, non mais elle chante magnifiquement bien, en vrai. Hein.
Et encore une fois, le même problème que Cléopâtre, trop de chansons différentes. Hein. Trop de styles différents. Je vous trouve un peu dur en vrai. Oh non, 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 nous je nous trouve, ça va, on n'est pas... On arrive, on trouve les qualités. Mais le défaut principal qui fait que t'aimes bien une comédie musicale, c'est que t'arrives à suivre l'histoire en fait. Que c'est pour ça que j'en avais jamais entendu parler de cette comédie musicale. Non, ouais, ça explique que ça a pas beaucoup marché. Je serais curieux de savoir si les séances ciné à l'époque avaient fonctionné. Ouais, c'est ça. En fait, comme quoi, tu vois, les costumes sont sublimes, les décors aussi, tout le monde chante bien, mais comme il n'y a aucune direction scénaristique, c'est éclaté. En fait, il faut une structure. Pareil, c'est le côté émotionnel que j'avais. J'ai rencontré des amis sur ce spectacle avec qui je suis toujours proche. J'ai vécu des moments qui, pour moi, étaient magiques. Donc, je suis complètement biaisé. Mais je respecte à 100%. Il y a zéro souci là-dessus. Mais je comprends qu'on aime aussi. Hein. Il y a des très beaux moments. En fait, individuellement, il y a même des tableaux. Tu vois juste des tableaux de temps en temps. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la reprise d'Axel Bauer. Axel qui a pris un Chekos. Pourquoi il y a une reprise d'Axel Bauer à la fin? Ah, décor et mise en scène, c'est génial, mais tout est génial. Les tableaux individuellement, c'est banger. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plus ça. J'ai l'impression que c'est plus ça. C'est Kamel Wally a créé plein de tableaux et d'un coup, il s'est dit, il faut que je trouve une histoire pour lier tout ça. Dracula, ça pourrait être marrant. C'est exactement ça. Kamel l'a fait pour rendre hommage à Axel Bauer parce qu'il avait fait la mise en scène. Il avait fait la mise en scène d'un passage télé d'Axel Bauer avec cette chanson et le thème de sa choré c'était Dracula. D'accord, merci Broken Child. C'est long, hein. Regardez, regardez le temps. Regardez ce qui reste quand on... 3 minutes là, littéralement. Ah, y'a Kamel Wally, merci Kamel pour ce grand moment encore. Y'a Predator aussi. Y'a tout le monde. Y'a tout le monde là. C'est super. Y'a Predator, y'a Alien. Y'a même la voiture de Retour vers le futur. Y'a tout le monde. Y'a même Scooby-Doo à un moment donné. Oh, Scooby. J'ai tenté un truc. Eh, ça y est, la Zilane est terminée. Oh là 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 là. Auteur mettant en scène chorégraphe Kamel Wally. Hein, quand même, hein. Oh la vache, hein. Eh bé. Bon allez, je vais vous faire voter pour la prochaine.
Je pense que tu peux largement lancer le sondage, Tara, si c'est lancé. Attention à vos votes, mesdames et messieurs, autre belle personne du chat. Vous avez 2 minutes pour voter. Qu'est-ce qu'on choisit pour le prochain spectacle? Hop là. Je vous montre ça à l'écran dans un instant. Arthur, les trois mousquetaires au Robin des Bois. Je vous laisse voter. Let's go. Allez, qu'est-ce qu'on choisit, les loups? Arthur, les trois mousquetaires, Robin des Bois pour le moment. C'est Robin des Bois qui gagne avec 26 votes et 46%. Mais quand même, Arthur et les trois mousquetaires se défend extrêmement bien. Pardon. Extrêmement bien. 43% pour Robin des Bois, 23% pour les trois mousquetaires, 34% pour Arthur. Arthur remonte largement. Robin des Bois, 42%. Allez, hein, c'est le moment de voter. Il reste 1 minute pour voter, vous hésitez vraiment pas. Robin des Bois, c'est avec Matt Pokora, tout à fait. Ouais, Arthur est en train de remonter vite, hein. Arthur gagne des votes, on est à 32 votes pour Robin des Bois, 29 votes pour Arthur, c'est très très serré. Ça va clairement se jouer entre Robin des Bois et Arthur. Les trois mousquetaires, vous n'êtes pas encore prêts et prêts. Probablement moi non plus. Ah, un petit suspense, mais Robin des Bois garde sa petite avance de 5 voix à 43%. Bah. Merde, y'a Siri qui me refait le coup d'hier! Pour celles et ceux qui étaient là! Écoutez, y'a Siri qui m'a relancé de la musique! Dis Siri, arrête la musique! Mais c'est horrible! Il m'a relancé la musique! Il est possédé! Il est possédé par le démon! Mon dieu! Bon, Robin des Bois à 35%, Arthur 32%. Il vous reste 10 secondes pour voter, mesdames et messieurs. Je sais pas, c'était un rock façon Dracula, c'est ça qui est fou. Bah écoutez, à 5 voix près, c'est Robin des Bois qui gagne! 44%, 37 votes, Arthur 38%, 32 votes, et les 3 mousquetaires 19%, 16 votes. Donc Arthur et les 3 mousquetaires seront à nouveau dans le vote le mois prochain. Donc le mois prochain, la soirée comédie musicale sera donc Robin des Bois avec Matt Pokora. Let's go, j'ai très peur aussi, je suis très impatient de voir ça. À mon avis, ça va être du grand n'importe quoi aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir pour cette soirée comédie musicale. Désolé d'avoir accéléré sur la fin, mais là, moi, il faut que... J'avais prévu de terminer à 21h, à la base 21h15 grand max. J'avais pensé pas que c'était aussi long, et surtout je pensais pas que c'était aussi sans méchanceté mais pénible, quoi. On a tout dit de toute façon, on a tout dit. Mise en scène magnifique, décor magnifique, des chanteurs exceptionnels, mais comme il n'y a pas de structure avec une histoire qui tient la route, bien que basée sur une histoire qui existe déjà, c'est ça qui est fou. Bah en fait ça m'a jamais accroché une seule seconde, en fait. Ça m'a jamais accroché une seule seconde, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, évidemment, il y a aussi un truc qui joue. Moins d'affect de base, un, et deux, pas de chanson assez iconique qui fait que ça t'accroche à un moment donné, tu vois. Donc, voilà. Léon et Lanal nous donnent un petit teaser de Robin des Bois en nous disant « Robin des Bois, pire comédie musicale que j'ai été voir ». Et j'ai envie de vous dire, on va se quitter là-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce react.